monde, c'est Mana, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture d'une display japonaise, donc Gold Pack 2016. Donc je suis en compagnie de Kisara. Coucou. Donc j'espère que vous allez bien. Donc petite présentation, voilà, de la display, je la trouve vachement stylée. T'en penses quoi? J'aime bien. Donc on va l'ouvrir. Donc pour ceux qui veulent savoir, je l'ai eu sur eBay pour pas trop cher. Donc je pense que vous pouvez la retrouver. Hop. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui l'ont pas vu sur la chaîne, il y a eu une ouverture display du pack Duelist Légendaire 3, donc en japonais. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là c'est parti, on va s'ouvrir le Gold Pack 2016. Donc on a 10 boosters à l'intérieur. Alors tac, donc c'est la première fois que j'en ouvre. Donc avec mon homme, on voulait s'en prendre depuis un sacré moment. Enfin déjà depuis quelques années. Mais bon, à chaque fois on oubliait et là on a une occasion, donc on s'est dit pourquoi pas. Donc ouah, le booster il est juste trop stylé. Il est des boîtes. Ouais, j'avoue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait 5 boosters chacun. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour cette ouverture. Donc c'est parti, on va commencer. Bon allez, je vous dis comme ça. N'hésitez pas à nous dire si ça vous fait plaisir de revoir les ouvertures japonaises. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous en voudrez d'autres. Voilà, voilà. Waouh, wow. Jugement solennel, oh, déjà en gold rare. Donc j'espère que vous allez bien voir. Oh, oh, numéro 38. Non. 39, 8 ah pardon, oui, 39. Ok. Oh, oh, le Stardust. Oh, il est trop beau. J'avoue, il est, oh, magnifique. Il est magnifique. Contrôle mental, c'est me ça. Semble. Et la Gold Secrète, c'est... Oh, wow, oh la vache. Elle est trop stylée. Oh, le dragon argent d'azur. Oh, purée. Elle est trop belle. Je vais dire ça pour pas dire vulgarité, mais je vais mettre. Je vais dire regarde-moi ça. Regardez-moi cette artwork, pardon, qui est juste trop stylé avec les gold secrètes. Oh mon dieu. Ah, j'avoue, c'est magnifique. C'est magnifique. Déjà, lui, il est magnifique comme le Stardust. Vas-y, à toi. C'est magicien sage-œil. Oh, bulbe luisant. Oui, non, pas bulbe. Oui, bulbe, mais je sais plus le reste. Un pot artiste. Waouh! Wow. Oh, le grand cheveu. Le grand chevalier d'or divin ou un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Enfin, un nom comme ça en tout cas. Waouh! Juste magnifique. Je m'attendais pas à le voir celui-là. Non. Mais je savais qu'il était dedans, mais je pensais pas tomber dessus. Ah non, moi non plus. Tu vois? Mais je savais pas qu'il était dedans. Et. Waouh! Oh la vache, dragon yeux impair! En gold secrète. Oh, il est trop classe! Donc, je pense que je vais juste mettre un booster de côté pour la collection. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, avec mon homme, on aime bien avoir des produits scellés en collection. Surtout des boosters japonais. C'est pas tous les jours qu'on en a. Donc c'est parti, super. Oh bah. Ah bah tiens. Deuxième jugement solennel. Encore un deuxième 39 Utopie. Bah c'est bien. C'est trop cool. C'est trop bien. Oh, Exciton. D'accord. Colonie du mal. Et en Gold Secrète. Oh, oh. Alors j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Bulbe quelque chose. Je sais plus si c'est. Préda Plante. Non, c'est pas Préda Plante, c'est Bulbe lui. Luisant, je sais plus. Elle est magnifique. Mais grave. En gold secrète. Hop. J'adore ces packs. J'adore ces packs, moi je dis.
je kiffe. C'est pour ça qu'on voulait, on voulait tellement les, enfin, on voulait tellement s'en prendre avant, mais sauf qu'on oublie tout le temps. Oh. Parce que je savais qu'à l'intérieur il y avait de très très belles cartes. Black Paladin. Black Paladin. Donc je sais qu'il y a en gold rare et en gold secrète. Non, là. Trappe sans fin. Dragon aux yeux impairs. Contrôle mental. Et derrière, on a. Waouh! Wow. Oh, oh mon dieu! Oh, je sais plus son nom, mais qu'est-ce que je le kiffais, ce monstre! Waouh! Que... Elle est juste trop belle! Ah, c'est un dragon qui est vachement puissant. Je l'avais deux fois, cette carte en française. Et en fait, elles ont disparu. D'accord. Donc, tu l'avais? Je l'avais. En française. Ouais, en française. Oh mon dieu. Oh, ça fait trop plaisir de la choper, en fait. Tu m'étonnes. Bon, allez, on continue. Franchement, je suis pas déçue du tout, du tout, du tout. Je pense même qu'il y a des chances qu'on s'en reprenne. Un peu plus tard, par contre. Parce que je pense que je vais me faire la collection. Du coup. Tigre. Alors lui je ne le connais pas, mais elle est stylée. Oh, tiens, toi qui la voulais. Ah génial, la demoiselle aux couleurs bleues, magnifique. Waouh. Waouh, un gold rare. Donc faut savoir que dans cette extension. Oh. Il y a les mêmes cartes en gold rare et en gold secrète. Oh, le 39. Et là, on tombe sur le numéro 39, Utopie. Donc, c'est parti. Il nous reste 4 boosters encore, donc 2 chacun. Je pense qu'on a le temps encore de choper de grosses cartes. Trix. Waouh, le numéro 101. Classe. Encore un pot artiste. Oh, la demoiselle aux yeux couleur bleue. En x2, c'est et... génial. Waouh. Waouh, le livre de la lune. Eh, hey, c'est classe. Ouais, c'est... j'avoue qu'elles sont vachement stylées. Elles sont trop belles. Désolée pour la caméra. Donc, c'est parti. On continue. Elles sont juste trop stylées, les cartes. Oh, d'accord. Donc, une héros élémentaire. Encore jugement solennel. Encore une fois. Oh, dragon. Le starter. Utopie. Donc c'est une série avec pas beaucoup de cartes à l'intérieur. Et magicien, ça joue ici, je me sens bien. Ok, magnifique. Donc avant-dernier booster. Donc le petit tigre. Magicien, ça joue. Dragon argent aux yeux d'azur, encore le bulle et la trappe, oh, trappe wow. sans fond. La trappe sans fond. Magnifique. Mais grave. Allez, on s'attaque au dernier booster. The last booster, comme on dit, voilà, qui est magnifique. Donc, je vais bien l'ouvrir. Oh, wow. Génial. Classe. J'ai prié pour qu'on la chope en double. Oui, tu l'as chopé en double. Moi aussi, j'ai prié pour que tu l'aies celle-là en double. Ah, génial. Il est juste magnifique, ce dragon. Je l'adore, ce dragon. Oh, Traptrix. D'accord, pourquoi pas. Oh, le 101. Le numéro 101, et attention. Ah, excitons. Pour la gold secrète. Donc je vais vous faire un petit récap vite fait. Donc pour vous dire que les cartes en double, enfin chacune des cartes vont partir dans la collection. Donc celles qu'on a en x1, elles ne sont pas à l'échange ni à la vente. Les doubles, ils vont partir pour Kisara. Et le reste pourront également être échangés, pardon. Et à la vente, voilà. Donc s'il y a des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou nous
ou alors nous contacter sur notre page Facebook qui est dans la description. Donc d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook où vous pouvez suivre les futures vidéos qu'il va y avoir, les futurs concours, etc. Et les ventes qu'on fait actuellement sur la page. Donc là, je vous montre les gold rares pour les gold secrètes. Elles sont juste trop magnifiques. Elles sont belles. En France, les gold ne sont pas comme ça. Et le dragon aux yeux d'azur qui est juste trop stylé. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. Donc c'était l'ouverture de la display japonaise Gold Pack 2016 qui est juste ici. Donc franchement, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour cette ouverture. On a eu du lourd, je trouve. Franchement, je regrette pas de l'avoir acheté, surtout au prix. On a eu une très belle occasion, une belle promo. Donc franchement, si vous voulez une autre ouverture japonaise, que ce soit ce pack ou autre chose, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et puis si on peut réaliser ce que vous souhaitez qu'on ouvre, ben on le fera si c'est possible. Et si vous avez des idées de type d'ouverture, pourquoi pas. Je suis pas contre. Donc voilà, sur ce, on vous laisse. Diana.